Comment fait-on pour recevoir des images de nos sondes situées à plusieurs milliards de kilomètres alors que certains ont du mal à capter leur Wi-Fi? Bon, déjà, il faut savoir que votre box internet ou les sondes spatiales utilisent les ondes radio pour communiquer. Mais là où généralement ça pose problème avec votre Wi-Fi, c'est les interférences. Et oui, entre votre chambre et votre box, il y a les murs avec à l'intérieur des fils électriques, des conduits d'eau, etc. Et ben ça va faire baisser la puissance du signal. Et dans l'espace, eh bien, il n'y a rien, donc très peu d'interférences. Et donc les antennes sont en liaison directe avec les sondes. Mais là où il va y avoir une grosse différence, c'est que l'antenne de votre téléphone, c'est ça. Et que les sondes sont captées par Deep Space Network. Alors ce sont trois antennes de 70 mètres de diamètre, donc même si les ondes radio émises par les sondes sont très très faibles, eh bien ces gigantesques antennes peuvent capter leur signal. C'est une question de taille après tout.